Hello les filles, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo pour vous montrer comment retirer son crochet braids et faire des soins juste après la pause. Alors je commence par sécuriser mes cheveux que j'avais laissés sur le pourtour avant de commencer la coupe. Une fois les mèches coupées à ras, vous pouvez commencer à dénouer les mèches une à une ou commencer à défaire vos nattes collées vers le bas. Si vous sentez que vous avez des nœuds après avoir défait la coiffure, n'hésitez pas à utiliser un après-shampoing. Ça va vous permettre de démêler en amont pour pouvoir éliminer déjà les résidus et la poussière et pouvoir démêler plus facilement. Alors là, j'utilise le savon Doudou Osun pour nettoyer mes cheveux et le masque nourrissant de chez la marque Mulatto. C'est une nouvelle gamme qui s'appelle Azali pour cheveux crépus et frisés. Donc c'est un masque assez consistant qui va me permettre en fait de nourrir en amont mes cheveux. Pour l'application du masque, je procède toujours par section pour bien faire pénétrer le produit dans mes cheveux. Une fois le masque rincé, vous pouvez procéder au shampoing et au coiffage par la suite. Je vais maintenant procéder à la mise en pli pour pouvoir coiffer mes cheveux avant de dormir, pour déjà les conditionner pour le lendemain matin. Donc là j'utilise une crème fouettée de chez Activilong, qui est une crème très hydratante. Elle me laisse un peu des résidus blancs sur le cheveu, c'est ce que j'ai remarqué par la suite, mais elle nourrit et hydrate énormément. Donc là j'ai décidé de faire des petites vanilles et je vais additionner ça avec l'huile d'Abyssinie que j'ai acheté chez Aromazone, qui est une huile très efficace pour les cheveux secs, dévitalisés, frisés, crépus. Donc voilà, le retrait est terminé, je vais pouvoir aller me coucher. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces aussi ou d'autres soins que vous aimez faire après votre coiffure protectrice. Je vous dis rendez-vous sur le blog brownskin.fr et je vous fais de très gros bisous, à très vite.